Nageo Wild. Un de mes amis était en vadrouille dans la baie et il a aperçu un requin bleu. Comme c'est assez rare d'en voir ici en Floride, il m'a immédiatement appelé pour qu'on le filme. Vas-y, allez, allez, saute! Je lui ai demandé de me lâcher juste devant le requin pour qu'il vienne vers moi. Je n'aurais pas pu le suivre à la nage. Il devait y avoir 2 ou 3 mètres de fond, ça n'était pas très profond. Les requins bleus ont de longues nageoires pectorales. Et le spécimen qu'on suivait nageait juste en dessous de la surface. Je l'ai contourné et il m'a attrapé le bras. Puis par miracle, il m'a lâché. Je suis remonté dans le bateau à toute vitesse, on m'a fait un garrot et on a foncé droit vers la côte. Et on m'a emmené aux urgences. Je me fais pas de soucis pour lui. Il est extrêmement rare de rencontrer des requins bleus en Floride. Et je comprends très bien leur envie de les filmer. C'est une espèce très curieuse, dont les individus n'hésitent pas à approcher les plongeurs, à tourner autour d'eux et à observer ce qu'ils font. Les requins bleus sont connus pour leur agilité, leur rapidité et leur mobilité. Pourtant, on ne peut pas vraiment dire qu'ils soient prévisibles ou particulièrement faciles à approcher. On ne sait jamais vraiment ce qu'ils vont faire, mais en général, ils n'attaquent pas. Beaucoup d'organismes de tourisme et d'écotourisme proposent de plonger avec des requins bleus. C'est une expédition qui est proposée aux quatre coins du monde, et les incidents et les dérapages se comptent vraiment sur les doigts de la main. Je me dois vraiment d'insister sur un point précis. Il ne s'agissait pas d'une attaque de requin, mais d'une morsure que j'ai pour ainsi dire provoquée, en m'aventurant un peu trop loin dans son périmètre. Le requin que j'ai vu ne m'a mordu qu'une fois, puis m'a relâché. Au moment où il m'a attrapé le bras, une seule pensée m'a traversé l'esprit. Je me suis dit que c'était vraiment un requin magnifique, à la peau d'un bleu profond. J'ai tout simplement pensé, quel animal splendide.